je m'appelle Chacha Chalon, je suis mannequin d'origine sénégalaise. J'ai choisi d'être mannequin parce que c'était un rêve depuis toute petite qui s'est concrétisé en 2011 lorsque je fus Miss de mon collège. J'ai commencé par des élections Miss en 2011, comme je viens de le dire, où je fus Miss de mon collège. Puis en 2015, après le bac en 2015, à ma première année à l'université, j'ai intégré une agence de mannequinat ici à Dakar. Et c'est là que j'ai commencé à exercer professionnellement comme mannequin. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas vraiment facile. On était obligé d'aller à des castings et on n'était pas tout le temps sélectionné. Du coup, ça, c'était vraiment difficile. Tu payes le transport, tu te déplaces, tu trouves énormément de gens qui sont venus faire le casting comme toi et surtout des professionnels. Et souvent, tu es sélectionné, souvent pas. Mon premier défilé en tant que mannequin, c'était en 2016. C'était un défilé pour Oumoussi et j'étais vraiment heureuse d'être sur scène avec de vrais pros, des anciens du milieu. C'est Saint-Louis Fashion Week ici au Sénégal et j'ai participé à une élection Miss internationale au Nigeria où j'étais l'ambassadrice du Sénégal. On pourrait dire que c'est comme faire du sport parce que c'est tellement chargé, on est dans les coulisses en train de faire des essayages, en finir, courir par là, par-ci, par-là, le maquillage, tout. C'est vraiment chargé et on peut dire que c'est difficile la journée d'un mannequin. C'est lorsque je suis sur scène en train de défiler ou bien lorsque je pose pour des photos. J'allais devenir hôtesse de l'air. C'était mon premier choix en fait. C'est Naomi Campbell dans le milieu parce que elle a beaucoup de grâce sur scène. Elle me fait vraiment aimer le travail que l'on fait. J'ai pas de musique préférée, je suis mélomane. Et c'est le tchérémboum. Nous sommes en train d'évoluer sur ce milieu. Parce que avant, la mode en Afrique, c'était pas, je peux dire, reconnu, surtout par les parents. Beaucoup d'entre eux considèrent que la mode n'est pas bien, la mode ne fait que gâter les jeunes filles, quelque chose du genre. Les stylistes aussi en sortent de leur côté. Parce que là, on voit de jolis modèles avec les stylistes et c'est vraiment intéressant. Ils les jugent par rapport à leur habillement, leur comportement, leur style. Et c'est pas ça qui fait c'est pas ça qui fait le mannequin en fait. Parce qu'on peut s'habiller de manière sexy ou dénudée, mais ce n'est pas ce qui fait notre nature. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Actuellement, j'ai énormément de projets que j'aimerais mettre en place bientôt. Des projets personnels qui me permettront de pouvoir employer des jeunes. Tout ce que je pourrais lui conseiller, c'est de se rapprocher des anciens, essayer de prendre des conseils et qu'il
puisse sortir le meilleur de lui-même et aimer tout d'abord ce qu'il veut faire dans ce milieu.